Le jeûne, un pilier de l'islam, est un moment de communion, de partage et de rémission des péchés. Pendant ce mois de Ramadan, le régime alimentaire change. Il est important d'adopter des bonnes pratiques pour préserver sa santé. Le petit déjeuner, appelé souhour, est important pour observer le jeûne. Il est recommandé de prendre des fruits, des légumes et des boissons chaudes pour rester en forme durant toute la journée. Passer toute une journée sans manger ni boire demande de la foi et du courage. À la rupture, le respect des règles nutritives sont recommandés. On est dans des zones où il fait extrêmement chaud. C'est de prendre vraiment d'eau, ok, en quantité, voilà, mais de façon raisonnable, ok. Vous pouvez prendre de l'eau avec de la glace, hein, ce n'est pas vraiment déconseillé parce qu'on est dans des zones où la température elle est vraiment extrême. Ok. Et également, vous pouvez prendre une boisson chaude. Surtout chez nous au Mali, on a dans notre culture de prendre de la bouillie. C'est très important de prendre de la bouillie parce que ça vous donne de la force. C'est aussi de prendre une boisson sucrée, de préférence les boissons locales. Hein, vous pouvez faire une soupe aux légumes. Ok. Vous pouvez prendre aussi des pâtes alimentaires. Vous pouvez prendre du riz, du tout, du couscous, hein, comme d'habitude. Cependant, les professionnels de santé conseillent d'éviter certaines pratiques nutritionnelles. Ce qu'il faut éviter, c'est surtout de prendre des boissons sucrées, hein, des boissons gazeuses, mais également des boissons énergisantes. Parce qu'on voit actuellement au Mali une notoriété des boissons énergisantes. Alors, c'est de les éviter. Vous avez l'impression que vous allez avoir plus de force pendant la journée, mais c'est le contraire. Au milieu de la journée, vous allez créer un pic, ok? Vous allez avoir plus de faim. Les aliments aussi qui sont épicés, c'est de les éviter parce qu'au cours de la journée, vous pouvez avoir des remontées acides. D'éviter les boissons sucrées et énergisantes lors de la rupture. Le jeûne est certes une privation de s'alimenter. Malgré les difficultés, il a été démontré que le jeûne peut avoir des effets positifs sur la santé, notamment la santé mentale en stimulant les hormones du bien-être, améliorer l'humeur et aider à soulager le stress, l'anxiété et la dépression.